Ah, moi, j'étais très contente, j'étais ravie. Je me suis dit, c'est une chance. Bon, ça correspond aussi à ma formation, qui est une formation de chercheur. Et bah, quand on me demandait de faire une autre expérience, bah, j'ai sauté dessus. Les lois qui régissent ce pays m'interpellent. Et si je peux, moi, contribuer à y apporter ne serait-ce qu'un petit de quelque chose, bien, je ne voyais pas comment je pouvais refuser. Ce qui m'a marqué, en fait, c'est du point de vue social, c'est les soins palliatifs, parce que c'est vraiment ce qui aussi ressort de ces séances, c'est la faiblesse des soins palliatifs, quoi, qui pourraient donner des solutions à beaucoup de problèmes. Du point de vue personnel, alors ce qui m'intéresse moi, c'est le point de vue de l'éthique, de la philosophie, la vie, la mort, qu'est-ce que c'est ce passage entre la vie et la mort, comment on le voit dans notre époque, comment on le conçoit par rapport à d'autres philosophies, les philosophies indiennes, chinoises, qui ont une autre perception de la vie. Donc ça venait aussi dans ce sens-là. Alors moi je suis ravie. Je suis ravie des échanges que j'ai eus humains, d'abord avec toutes les personnes de la convention, et puis les échanges que j'ai eus avec les gens, enfin que le hasard m'a fait rencontrer, avec qui on a des vies différentes, des lieux de vie différents, des intérêts différents, et ça fait un enrichissement. Enfin moi je me suis sentie très enrichie par les personnes que j'ai rencontrées. De continuer à engranger des nouvelles connaissances, affiner celles que j'ai. Je dirais convivialité, rigueur des discussions et enrichissement apporté par justement les échanges qu'on a pu avoir en 3 jours, en se connaissant pas.